Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler sur Maspero Blue, figurez-vous. Je vais vous la faire courte. J'ai un petit neveu qui veut qu'on lui raconte des contes de fées. Et du coup, je vais faire un petit générateur de contes de fées. Voilà. Enfin, il veut qu'on lui, tous les soirs, qu'on lui lise une histoire et qu'on en invente une. Et du coup, c'est compliqué d'inventer des histoires, donc du coup je fais un générateur, de même que j'ai fait des générateurs de poissons, bah, je vais faire un générateur de contes de fées. Voilà. Donc on va ouvrir un document vierge qui va s'appeler générateur de contes de fées. Alors, oh, bah, attends, je vais prendre mes générateurs de poissons en fait. Alors attends, ils sont... Attendez. Oui, c'est le gros gros bordel sur. Ranger tout ça. Voilà. Gros bordel sur mon bureau. Voilà. J'ouvre ma Spéro. On va prendre notre génération poisson qui est pas mal. Et on va mettre à la place un générateur de contes de fées. Renommé. Donc, on va appeler ça compte et on va fonctionner un petit peu différemment. Je vais enlever tout ça, voilà, et je vais garder ça. Je vais enlever ça aussi. Voilà, et on va garder ça. Et là, je vais mettre compte, compte au pluriel, hein, point PHP. Alors, j'ai déjà écrit des modèles de comptes. J'ai écrit deux structures. Et on va garder la première. Et on travaillera sur la deuxième ensuite. Alors, j'ai créé un compte qui a un peu l'air de. Qui s'appelle le Castor et la Princesse. Qui a l'air un peu d'être bizarre. Mais en fait, il a été pensé. Il y a un peu de préparation. C'est pas aussi simple que ça. Donc. On va écrire le héros 1. Héros 1 égale le castor. D'accord? Le héros 2 égale la princesse. Hop. Là, j'ai le castor et la princesse. Donc déjà, mon output, mon compte. Mon output, il va être de héros 1 héros 1 et héros 2. Alors ça, c'est plutôt le titre, en fait. Titre. Ok. Et maintenant, continue, texte, on va l'appeler. Là, on va l'appeler texte. Texte égal. Voilà. C'est un peu inusuel, mais vous allez voir, je pense que ça va donner des choses intéressantes. Donc, il était une fois, ça, on est obligé de le mettre. Il était une fois, virgule. Alors, lieu étrange, lieu. Lieu égal dans une forêt très lointaine. Déjà, il y a un truc aussi qu'on va faire, excusez-moi, c'est qu'on va mettre le castor comme ça. Et la princesse comme ça. Voilà. C'est une fois. Donc là, on met lieu. On va l'appeler lieu 1 parce qu'il va y avoir plusieurs lieux. On verra bien. Il était une fois lieu héros 1 particularité.
ça, c'est qu'il ne sortait jamais le jour. Particularité, on va l'appeler donc on va mettre qui ne sortait jamais le jour. Ensuite, on va faire un petit saut de ligne. Là, il dit, j'aimerais manger une délicieuse pizza au moins une fois dans ma vie. J'aimerais. But. Donc ça, c'est un peu la quête du héros, tu vois. Donc là, on met but. Manger une délicieuse pizza. J'aimerais but, virgule, complément au but. Là, je suis en guerre sur la narration procédurale. Complément, c'est plutôt combinatoire. Au moins une fois dans ma vie. Donc là, complément. Dit. Et là, je reprends le héros. Héros 1. Héros 1. Point. Donc ensuite, on va à la ligne. Donc là, on a un jour, mais on va l'appeler quand. Un jour. Un jour, virgule, événement. Il y eut une grande tempête. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe en plus. Il y eut, non? Une grande tempête éclata. Éclata. Ok. Et donc là, héros 1. Destin 1. On va dire en voyage. Déplacement plutôt. Fut chassé le long de la rivière. Là, il arrive, on va faire le castor, donc héros 1 arriva dans lieu, alors j'ai mis lieu 1, hein, c'est ça, lieu 2. On va dire on va modifier 2-3 choses, hein, parce que je vais faire en sorte que après on mettra les lieux ensemble, donc lieu
le 2 égale, il arrive à où ça? Dans un village. Voilà, dans un village. Il arrive à. Dans un village. Ok. Et là, particularité lieu. Se tenait une grande fête. Ok, point. Donc là, il y a le défi. Il y avait là un concours du plus gros mangeur de saucisses. On va dire donc le défi. J'ai mis des points virgules partout, c'est pas très rigoureux tout ça. Oh là là, regardez tous les points virgules qui manquent. Hop. Ok. Ok, donc là le défi est fait. Ça va être rapide, hein, je pense, ce soir. Mais c'est cool de le faire, je trouve. Donc, ok. Alors, le héros, héros 1. Clavier brûlant, il fait 40 degrés là où je suis. Héros 1. Donc releva le défi, donc action. Action, virgule, réaction. En conséquence, on va dire. Peut-être sans accent, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, hop, action, releva le défi. Les conséquences, contrôle V. Conséquences, voilà. Utilise la autocomplétion. Termina second. Triste. Point. Conséquence 2. Beaucoup de gens se moquèrent de lui. Ok. Ça c'est bien. Alors il attira l'attention. Donc, conséquence 3, non, on va dire rencontre, le castor, alors notre héros 1, fut remarqué, attira l'attention, comme ça on n'a pas besoin d'accorder, 2, héros 2. Particularité 2. Particularité 2. Point. Alors, particularité 2, c'est qu'il y avait un œil bleu et un œil vert. Et là aussi, on va essayer de mettre en sorte, de faire en sorte.